هيا داكو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. Donc, je vais commencer ce cours sur ce que vous dites programmer l'hypercorticisme ou syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, en réalité, c'est quoi? C'est un syndrome qui comporte une sécrétion excessive du cortisol, c'est-à-dire hypercorticisme. Donc, il y a une sécrétion excessive de cortisol. Cette sécrétion de cortisol, le caractère le plus spécifique de ce syndrome de Cushing, c'est ce qu'on appelle la phrase la plus, le mot-clé, c'est non freinable. Ça veut dire qu'on ne peut pas freiner cette sécrétion de cortisol. Mais avant de commencer cette notion d'hypercorticisme, qu'il faut bien retenir, cette notion de sécrétion de cortisol d'une manière excessive et non freinable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la freiner, il faut savoir qu'il y a deux autres entités qui ressemblent à ce syndrome de Cushing. Il y a deux autres entités qui ressemblent à ce syndrome de Cushing. Et ces deux entités, ça s'appelle ce qu'on appelle l'hypercorticisme iatro-induit, c'est-à-dire on induit la sécrétion de cortisol par les corticoïdes, par professeur, exemple. Oui. S'il vous plaît, excusez-moi, qu'on ne vous entend pas très bien. Je suis devant le micro, vous ne m'écoutez pas bien. Hein? Là c'est mieux, on vous entend maintenant. D'accord, je reprends. Oui, s'il vous plaît. D'accord, donc je disais que l'hypercorticisme, ou ce que vous dites le cours sur ce qu'on appelle l'hypercorticisme, le syndrome de Cushing, c'est une sécrétion excessive de cortisol. Et cette sécrétion, le caractère le plus spécifique, c'est une sécrétion non freinable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas freiner cette sécrétion de cortisol d'une manière excessive. Mais, syndrome de Cushing, ou mieux dire hypercorticisme, parce qu'il y a d'autres notions, on va le voir après, il y a deux autres causes, mais qui n'ont aucune relation avec cette sécrétion excessive du cortisol. Ce qu'on appelle l'hypercorticisme iatro-induit, ça veut dire qu'il a été induit par des médicaments, par exemple, comme les corticoïdes. Les patients qui prennent une dose forte de corticothérapie peuvent augmenter la sécrétion de cortisol. Elle est premièrement. Mais elle n'est pas pathologique, parce qu'elle est freinable. J'ai dit le mot-clé, c'est non freinable, pour l'hypercorticisme, au syndrome de Cushing. Pour l'hypercorticisme, le deuxième, qui n'est pas pathologique, c'est ce qu'on dit l'hypercorticisme d'entraînement, qu'on le voit beaucoup plus chez les sujets âgés, pardon, les sujets obèses. Ces bohommes, les obèses, ils ressemblent, on dirait, ils ont un syndrome de Cushing. Alors, aucune relation. Donc, pour ça, c'est une introduction pour vous dire le sujet sur le syndrome de Cushing. Si vous voulez, c'est la définition, c'est une sécrétion non freinable. Mais avant, je dois faire un rappel pour comprendre après la pathologie. Vous savez très bien que la cortico-surrénale, elle est indispensable à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle produit des hormones qui vont assurer la survie ou bien l'équilibre hormonal chez le sujet. Vous avez trois catégories d'hormones. Stéroïdiens, vous avez les minéralocorticoïdes, vous avez les glycocorticoïdes, et enfin, vous avez les androgènes. Les glycocorticoïdes, bien sûr, c'est notre intérêt de question. On ne rentre pas dans les autres minéralocorticoïdes ou androgènes, ce n'est pas notre question aujourd'hui. Pour les glycocorticoïdes, c'est surtout la sécrétion de cortisol et la sécrétion de corticostérone. C'est presque la même chose. Et à titre de rappel, toujours, que la surrénale, elle se retrouve dans le pôle supérieur, bien sûr, des deux reins. Vous avez deux glandes endocrines, la surrénale, la médulo-surrénale et la cortico-surrénale. Et le cortisol est sécrété par la zone fasciculaire. Vous avez les androgènes sont sécrétés par la zone réticulaire et l'aldostérone, minéralocorticoïde, est sécrété par la zone glomérulaire. C'est des notions de forme juste à titre de rappel. Mais lorsqu'on doit savoir le cortisol,
parce qu'il y a des troubles, le bilan, le contrôle, le suivi, etc. Il faut savoir que le cortisol plasmatique, il existe sous trois formes. Vous savez, la forme libre, il y a les formes liées à l'albumine et les formes qui sont liées spécifiquement à ce qu'on appelle avec le CBG, le corticostéroïde binding globulin, ou la transcortine, elle va assurer son transport. Il y a une autre notion très importante que vous devez savoir, parce qu'on va l'utiliser après dans le diagnostic du syndrome de Cushing. C'est la notion du cycle, ce qu'on appelle le rythme circadien du cortisol. Vous savez que la sécrétion de l'ACTH et la sécrétion du cortisol vont subir les mêmes variations selon un effet, ce qu'on appelle l'effet circadien. Ça veut dire que la sécrétion, elle est maximum entre 2 heures. Si on commence maintenant, le début, le maximum de la sécrétion, il est entre 2 heures et 8 heures du matin, ou jusqu'à 9 heures du matin. C'est la sécrétion maximum. C'est pour ça qu'on va le trouver le diagnostic. On doit doser le cortisol au matin, à 8 heures du matin, parce que le pic, il est à 8 heures du matin. Puis, si on fait une marche arrière, où là, on commence à amener le pic à 8 heures, donc il diminue progressivement jusqu'au taux le plus bas, généralement à minuit. Donc à minuit, vous avez presque le taux le plus faible de la sécrétion du cortisol. On n'a pas besoin pendant le sommeil. La notion, il faut la retenir, on va revenir après dans le diagnostic. Donc je résume, le cycle circadien, la sécrétion maximum, elle est entre 2 heures, voire jusqu'à 8 heures maximum sur le pic, et la moitié de la sécrétion se trouve généralement vers 16 heures. Il y a le diagnostic, qui dit qu'on a des malades chez qui on suspecte qu'ils ont un syndrome d'hypercorticisme ou syndrome de Cushing. On fait un dosage, à 8 heures du matin, ou là à 9 heures du matin, pardon, à 8 heures du matin, et le deuxième dosage, on le fait à 16 heures. Pourquoi? Parce qu'à 8 heures, c'est le pic, on doit trouver une valeur élevée, et à 16 heures, on doit trouver une valeur la moitié de 8 heures. Maintenant, la sécrétion, soi-disant à 8 heures, à 20, obligatoirement à 16 heures, dans les circonstances normaux. Donc, trône la moitié, ça veut dire si elle est à 20, qu'on a 10 vers 16 heures, bien sûr, elle va presque se négativer vers à minuit. Maintenant, cette variation du cortisol est toujours dans le normal. Donc, elle peut subir des variations. Maintenant, des fois, on peut trouver ce taux de cortisol élevé quand est-ce que certains facteurs physiologiques, comme chez la femme enceinte, si on dose le cortisol, on le trouve normal, et même dans le postpartum. On peut le trouver chez le sujet âgé. C'est des facteurs qui ne sont pas pathologiques parce qu'ils varient. Ils ne restent pas élevés pendant toute la période, sauf pour la grossesse, c'est la femme. Et après la grossesse, ils se normalisent. Donc, c'est des facteurs physiologiques. Vous avez des facteurs là où il n'y a pas de variation, par exemple, le l'été ou le l'hiver, ou là qu'il y a des variations, comme certaines hormones. Pour le taux de cortisolémie, il n'est pas variable en rapport avec les saisons. Donc, il reste la même chose. Mais par contre, il varie selon l'alimentation. Ça veut dire, après alimentation, repas copieux, on peut trouver un taux de cortisol élevé. Il y a des situations où aussi la cortisolémie varie, comme dans le cas du sport. Par exemple, ceux qui font un sport excessif, peuvent avoir un taux de cortisol élevé, c'est une libération excessive, mais elle est physiologique, elle n'est pas pathologique. Même les modes de transport, si on fait un état stress, par exemple, peut avoir un taux de cortisol élevé, mais c'est un rôle adaptatif, c'est-à-dire il ne reste pas tout le temps élevé. C'est en fonction du contexte. Maintenant, cette sécrétion du cortisol, pourquoi
comment elle obéit, toujours elle est sous contrôle. Ce que vous voyez ici, elle est sous contrôle hypothalamo hypophysaire. Ça veut dire que la stimulation, elle vient. Donc, vous avez au niveau de l'hypothalamus, CRF, vous avez ça stimuler l'hypophyse, donc va sécréter l'ACTH. Et l'ACTH va stimuler au niveau surrénalien pour sécréter au niveau de la cortico-surrénale le cortisol. Donc, et la sécrétion du CRF, là, au niveau de l'hypothalamus, donc il va stimuler l'hypophyse, la sécrétion du CRF, elle est fonction du taux de cortisol. Ça veut dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle un feedback négatif ou un feedback positif. Ça veut dire que si le taux il est faible, donc il va y avoir une sécrétion importante, mais le CRF pour stimuler la CTH, pour sécréter encore le cortisol. Et l'inverse est vrai. Si vous avez un taux de cortisol élevé, il y a un feedback négatif qui va freiner la sécrétion du CRF pour ne plus stimuler la libération de la CTH et ensuite la cortisoline. Et bien sûr, on est toujours dans, rappelez-vous, dans le cycle circadien pour avoir un certain degré, d'équilibre à la survie, parce que le cortisol, c'est l'hormone le plus sensible. Maintenant, le rétrocontrôle, je l'ai parlé. Bon, le métabolisme, comment il rentre, c'est juste un détail que j'ai ajouté. Si vous avez un taux de sécrétion de cortisol, vous allez avoir un effet sur le métabolisme des glucides. C'est pour ça que vous trouvez que les patients qui ont un syndrome de Cushing, ils ont un trouble du métabolisme glucidique. C'est pour eux, si vous voulez, beaucoup plus des diabétiques. Ils ont aussi un rôle sur le cortisol, sur le métabolisme des protéines. Donc, ils rentrent dans le catabolisme des protéines musculaires. Maintenant, on va voir quelles sont ces manifestations cliniques, surtout les faiblesses musculaires, la myotrophie, on va venir après. Et ils jouent aussi un rôle dans le métabolisme phosphocalcique. Donc, il va diminuer la formation, ce que j'ai dit, l'ostéoporose, toutes les manifestations qui sont en rapport avec l'atteinte osseuse, donc les céphoses, l'hyperlordose. Donc, il y a une diminution de fixation. Donc, ça donne ces notions de l'ostéoporose. Ensuite, ils ont un effet sur le métabolisme hydrominéral. Donc, ils vont entraîner une réabsorption du sodium, une excrétion importante du potassium. Explique cette réabsorption importante du sodium, l'hypertension artérielle chez les patients qui ont un syndrome de Cushing, qu'on va voir après, les manifestations cliniques. Et aussi, vous avez une action du cortisol sur la peau qui va inhiber la synthèse du collagène. Il va augmenter le catabolisme des protéines par les fibroblastes. C'est pour ça que vous trouvez ces patients-là qui ont une peau mince, elle est fragile, elle s'infecte rapidement. Vous trouvez même des manifestations cutanées plus graves, les plis qui font cicatrisent mal, etc. dans ces situations-là, lorsqu'il y a une sécrétion importante. Vous pouvez avoir même une action sur le comportement des patients. D'ailleurs, les patients peuvent consulter parce qu'ils ont des troubles psychiques graves ou bien une manifestation même psychiatrique. Tout ça, c'est secondaire à cette sécrétion importante du cortisol. Lorsque le taux de cortisol est trop sécrété. Bien sûr, vous avez aussi une action sur le métabolisme des lipides. Lorsqu'il s'agit de lipolyse importante, donc, vous trouvez même des patients qui ont un métabolisme de cortisol très perturbé. Vous pouvez avoir même des hypercholestérolémies manifestes, même des hypertriglycéridémies. On va le voir après dans le bilan des patients dans la recherche d'hypercortisol. C'est-à-dire lorsqu'il y a une sécrétion importante, mais lorsqu'il y a une sécrétion dans les normes, vous ne pouvez pas avoir un taux plus élevé. Donc, c'est l'inverse. Vous allez avoir l'effet inverse. Bon, c'est pour le rappel, ce que j'ai dit tout à l'heure, le résumé. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet, c'est dans le syndrome du Cushing. C'est-à-dire pour faire le diagnostic positif, le tableau clinique le plus typique, c'est ce qu'on dit l'obésité.
qu'on appelle l'obésité fascio-tronculaire. Mais avant l'installation de ce tableau d'obésité fascio-tronculaire, vous avez des prodromes. Vous pouvez avoir des signes qui peuvent orienter avant l'installation de l'obésité. Vous pouvez trouver avoir des asthénies importantes, des céphalées, ça commence des modifications des fois du visage, chez la femme par exemple des troubles du cycle menstruel, aussi des prodromes. Mais une fois s'installe l'obésité, cette obésité, elle est le terme le plus approprié, ce qu'on appelle le fascio-tronculaire, parce que c'est le symptôme le plus constant. Pourquoi il y a cette obésité fascio-tronculaire? Il y a une secondaire à une mauvaise distribution des graisses, il y a une sans-prise du poids. C'est bon, on a l'obésité sur le visage, mais si vous pesez ces malades-là, ils ne sont pas vraiment obèses. C'est une obésité juste localisée parce qu'il y a une mauvaise distribution des graisses. Vous savez, le fascias, il est arrondi, ce qu'on appelle fascias en plein lune. Il est érythrosique, il est hypertrophique. Le cou, etc., son creux, le creux même claviculaire, ce qu'on appelle le buffalo neck, ce qu'on appelle le cou de bison, ce qu'on appelle les aspects qui sont très typiques qu'on les trouve chez les patients qui sont porteurs de syndrome de Cushing. Donc, à la phase d'état, pour poser le diagnostic, le premier symptôme, c'est l'obésité. L'obésité fascio-tronculaire. Deuxième manifestation qui rentre, ces manifestations-là, c'est, rappelez-vous, ce que j'ai fait comme rappel physiologique, il rentre dans l'hypercatabolisme protéique. D'abord, après l'obésité fascio-tronculaire, vous avez les manifestations cutanées. Les manifestations cutanées, vous avez la peau fine, fragile, atrophique, tout ce que vous voulez. Surtout, vous avez ce qu'on appelle les vergetures. Les vergetures, elles sont liées à la rupture du tissu élastique. Bien sûr, sous-cutanées, qui sont, comment ils sont, je vais vous montrer après des photos. Donc, ils sont rouges, ils sont violacés, pourpres, ils sont larges. Généralement, ils siègent au niveau de la région de la paroi abdominale. Vous pouvez trouver même au niveau du cou, des fois au niveau de la racine des membres dans la région périmamelonnaire. Mais ils sont évocateurs du diagnostic, mais ils ne sont pas pathognomoniques. C'est-à-dire que ces vergetures, on peut les trouver chez la femme enceinte, mais ils sont physiologiques. Je trouve la femme enceinte lorsqu'elle fait une grossesse, peut-être gémellaire ou là, à la fin, où elle fait beaucoup d'enfants, les multipares, vous trouvez, lorsque vous leur examinez l'abdomen, vous trouvez des vergetures. Mais ce n'est pas pathologique. Donc, ils peuvent orienter, mais ils ne sont pas pathognomoniques du syndrome de Cushing. Par contre, lorsque j'ai dit au départ, l'obésité fascio-tronculaire, elle est constante. On peut trouver d'autres signes, en dehors de vergetures. Vous pouvez trouver les purpuras, vous pouvez trouver les acnés, les alopécies, les ecchymoses, c'est témoignent toujours de la fragilité vasculaire associée dans le syndrome de Cushing. Regardez, les vergetures, maintenant, c'est des vergetures, regardez ici, d'ailleurs, on rejoint la région mamelonnaire, donc elles sont typiques, regardez le visage, l'obésité fascio-tronculaire. Regardez, elle est localisée au niveau du visage et au niveau de la nuque. Alors, si vous voyez en bas, il n'est pas obèse, donc c'est maigre. Si vous voulez. Donc, ça, c'est typiquement manifestation cutanée. Donc, on a l'obésité fascio-tronculaire qui est constante, les vergetures, peau fine, fragile, purpura, acné, tout ce que vous voulez, surtout les vergetures qui sont typiques manifestations cutanées. Vous avez d'autres manifestations, comme les atteintes osseuse, l'ostéoporose ou là vous avez l'amyotrophie, elle est aussi fréquente comme l'atrophie musculaire, on peut la trouver ici, on a regardé 60%, il y a une faiblesse majeure et proximale, et vous avez l'ostéoporose qui atteint surtout le rachis et peuvent être objectivées radiologiquement par
par la transparence des vertèbres. Par exemple, la présence fréquente de fractures, vous avez des tassements responsables de douleurs dorso-lombaires, par exemple, non calmées par le repos, parce que les douleurs dorso-lombaires peuvent se calmer par le repos. Mais dans le cas de syndrome de Cushing, ne sont pas calmés par le repos parce que il y a des manifestations plus importantes d'hypersécrétion de cortisol parce qu'il faut traiter la cause. Vous pouvez avoir par exemple dans les manifestations osseuses une réduction par exemple de la taille. Tout ça est dû à une kyphose dorsale ou à une hyperlordose lombaire. D'autres manifestations associées, vous pouvez avoir les atteintes gonadiques. Les atteintes gonadiques, on les trouve dans 75% chez les femmes ou bien chez les hommes. Chez les hommes, elles peuvent se manifester par une baisse de la libido, voire impuissance. Et c'est surtout des signes de véritable dévirilisation, ce qu'on appelle l'atrophie génitale. Sinon, chez la femme, c'est surtout, vous avez l'aménorrhée. L'aménorrhée, elle est quasi constante, et elle est présente dans presque 85% des cas. Mais la caractéristique qu'il faut retenir, les aménorrhées, généralement, les aménorrhées, ils se mettent avec bouffée de chaleur. Mais dans le syndrome de Cushing, vous avez aménorrhée sans bouffée de chaleur. C'est la caractéristique la plus importante. Vous pouvez avoir des spagnoménorrhées ou bien des règles très espacées. Mais la chose la plus importante dans les atteintes gonadiques chez la femme, dans le syndrome de Cushing, vous avez l'hirsutisme. Donc, il y a un homme char bzef, par exemple sur le dos ou là, chez la femme, le visage. C'est-à-dire dans des endroits inhabituels, voilà, on trouve l'hirsutisme au niveau du visage, au niveau de la lèvre supérieure, au niveau du menton, par exemple. Et on trouve des raréfactions sur toute l'année des cheveux dans la région temporofrontale. Comme des hommes, ils ont de l'alopécie, c'est-à-dire chevelure faible. C'est ce qu'on appelle le syndrome de virilisation. Donc chez la femme, il se met au syndrome de virilisation, ressemble à l'homme, et chez l'homme, l'inverse, syndrome de dévirilisation. À tous ces troubles gonadiques qu'on les trouve associés. D'autres symptômes qu'on trouve associés aussi au syndrome de Cushing, c'est l'hypertension artérielle. Si vous vous rappelez, l'année passée, vous avez fait l'hypertension artérielle, et on a dit que parmi les étiologies de l'hypertension artérielle, vous avez, parmi les étiologies de l'hypertension artérielle, vous avez le syndrome de Cushing. Donc, cette hypertension artérielle, si vous vous rappelez toujours, l'année passée, on a dit que l'hypertension artérielle, elle est systolo-diastolique. Elles peuvent être modérées, mais généralement, elle est sévère. Et lorsqu'on parle de l'hypertension artérielle sévère, généralement, vous trouvez une étiologie. C'est l'étiologie, le syndrome de Cushing. Elles peuvent s'accompagner par des œdèmes des membres inférieurs qui peuvent orienter. Et dans le cas le plus grave, on peut trouver un tableau d'insuffisance cardiaque. Enfin, peut-être vous trouvez l'élément le plus fréquemment associé, c'est en dernier ce que vous voyez ici en bas, diabète. C'est des patients qui ont soit un tableau de diabète typique ou bien des tableaux d'intolérance au glucose qui est très fréquent chez les patients qui ont ce tableau de syndrome de Cushing. Donc pour résumer la clinique, si vous voulez, vous avez des signes qui sont constants dans le syndrome de Cushing, c'est l'obésité facio-tronculaire, c'est le symptôme le plus constant. Ensuite, vous avez les syndromes d'hypercatabolisme qui se résument à trois choses. C'est les signes musculaires, l'amyotrophie, ou bien les signes cutanés, les vergetures, les purpuras, les kémoses qu'on a dit, les signes osseux, l'ostéoporose, la kyphose, la transparence des vertèbres, par exemple. Et vous avez les troubles gonadiques. C'est des éléments
qui sont fréquents, qu'on les voit. L'aménorrhée chez la femme, elle est quasi constante, sans bouffée de chaleur, si vous vous rappelez. Et chez l'homme, vous avez diminution de la libido, voire impuissance. Et en plus, associer les autres, climat, le diabète, climat, l'hypertension artérielle, et comme aussi les troubles psychiques. Les troubles psychiques sont beaucoup plus fréquents, peut-être que les autres symptômes. On peut y aller jusqu'à l'anxiété, la dépression, jusqu'au bouffie délirant, toutes les manifestations psychiatriques possibles en cas de syndrome de Cushing. Regardez, le syndrome de Cushing, on a les vergetures en bas, visage comment il est, la cyphose, voilà le tableau. Donc, quelqu'un qui a une taille, regardez, 1m70, et la taille est réduite au fil des années à cause de cette ostéoporose avec ce qu'on appelle les tassements vertébraux. C'est très typique. Par exemple, là, vous avez une femme avant traitement, 4 ans après, regardez l'obésité facio-tranculaire, l'urcitisme aussi, regardez les poils, on est sur ici, au niveau des cellulaires, le cou, on a le tata. Et regardez après traitement, lorsqu'il a complètement changé par le traitement. Donc c'est très typique, le tableau de Cushing, ou ce qu'on appelle maladie de Cushing. Bon, maintenant pour faire le diagnostic. Pour faire le diagnostic, comment on va orienter notre attitude. Vous avez un tableau clinique qui comporte l'obésité facio-tranculaire, l'aménorrhée sans bouffée de chaleur, les manifestations cutanées, etc., l'hypertension, le diabète. Mais c'est des éléments qui orientent, qui ne confirment pas, qui orientent fortement. Et comment faire pour poser ce diagnostic? Vous faites les bilans standards. Parmi les bilans standards que vous demandez, d'abord, on demande une formule, numération sanguine. Dans la formule numération sanguine, on recherche surtout la polyglobulée. Elle est classique. Elle est modérée, bien sûr. On peut trouver l'hyperleucocytose à polynucléose. Polynucléaire, neutrophile. On peut trouver aussi une hypokaliémie. Elle est plus fréquente. On peut trouver une hypernatrémie, bien natrémie normale. La glycémie, elle est normale, elle peut être élevée, on a soit une intolérance ou bien diabète. Ça nous pousse à faire la GPO, c'est-à-dire le test en cas de glycémie à jeun normal. On peut demander, ou il y a une intolérance au glucose, on peut demander la GPO, c'est-à-dire le test d'hyperglycémie provoqué par voie orale pour parler justement de cette variation de la glycémie. Ça peut être un diabète franc avec une glycosurie qui est rare. On a 5 grammes par exemple de glycémie. On s'attend après 2 grammes ou là, c'est beau à la bandelette des croix de glycémie, voire jusqu'à l'acétone. Mais là, si la glycosurie, elle est rare, mais avec des taux de glycémie élevés. Sur le plan lipidique, il y a de l'hypercholestérolémie, je l'ai dit tout à l'heure dans le rappel physiologique, on peut trouver une hypertriglycéridémie, mais d'une façon modérée. Sur le plan phosphocalcique, on peut trouver l'hypercalcémie normocalcémique. Donc la calciurée, elle est élevée, mais la calcémie, elle est normale. Généralement, elle dépasse le taux de calciurie qui dépasse les 250 mg par 24 heures. Maintenant, tout ça, l'hypokaliémie, la polyglobulée, l'hypercalciurie, tout ça, c'est des éléments d'orientation aussi. C'est-à-dire que ça ne confirme pas le diagnostic de syndrome, mais c'est des éléments en faveur. Donc, vous avez les signes cutanés, vous avez des manifestations cliniques, des manifestations biologiques. Dans le cas, pour rentrer dans le test pour prouver, rappelez-vous la définition de Schrona, on a cité un hypercorticisme, sécrétion du cortisol, non freinable. On va prouver ça. D'abord, on doit doser le cortisol. Le cortisol, comment on le dose?
Si vous répondez, vous dites que le dosage du cortisol se fait d'une manière deux fois. C'est-à-dire, je dose mon cortisol à 8 heures du matin, parce que j'ai dit que le pic il est à 8 heures, et je le redose à 16 heures, c'est-à-dire deux fois. Je m'attends, le premier bilan est élevé, le deuxième, il est moins. Mais dans l'hypercorticisme, ou le syndrome de Cushing, le premier, il est élevé, il est vraiment élevé. On a le sein, je crois, les normes jusqu'aux 20 microgrammes par 100 millilitres, je crois, la valeur jusqu'à 20 mg, jusqu'à 15-20. Mais en cas de pathologie, vous trouvez des valeurs plus élevées, 30, 40, 50, 100, etc. Des valeurs très élevées. À quelle heure? À 8 heures du matin. Ça, peut-être vous dites, c'est l'excrétion excessive. On s'attend à 16 heures, une diminution moindre. Mais si on dose à 16 heures, on trouve la même valeur. Toujours la valeur élevée. Donc, on parle de notion de non freinable de cette sécrétion de cortisol. C'est là où nous disons le rythme ou le cycle circadien de la sécrétion du cortisol, il est rompu. Il est rompu parce qu'il n'est pas respecté. Qu'est-ce que c'est que la régression, voire la disparition jusqu'à minuit? Il prend tout le temps le taux élevé. Qu'est-ce qu'on fait encore? Parce que, si vous vous rappelez, le rappel, on fait les dosages urinaires. Donc, le sanguin, ce cortisolier, et urinaire, on fait les 17 OH, stéroïdes, qui sont toujours élevés, toujours urinaires. Mais le plus en parlant, il y a de préférence, on fait le cortisol libre urinaire, ce qu'on appelle la cortisolurie des 24 heures. C'est un meilleur index diagnostique du syndrome de Cushing, si il est retrouvé bien sûr à des taux très élevés. Donc ça, c'est pour doser le cortisol à l'état statique. On peut même doser le cortisol au niveau salivaire. Il y a une des méthodes de ce qu'on appelle les radio-immunologiques. On dose à 8 heures, on dose à 16 heures et on dose à 24 heures. Il est de plus en plus utilisé parce qu'il est plus fiable, qui va refléter vraiment le taux de cortisol libre. Deuxièmement, qui vont bien sûr vont confirmer le diagnostic de Cushing, c'est les tests de frénation. Pour les tests de frénation, on fait deux types de tests de frénation. Il y a les tests de frénation en minutes. Comment? C'est-à-dire, on va donner une dose nocturne importante, enfin 1 mg de dexaméthasone, et on dose le lendemain matin, à 8 heures, le taux de cortisol. Donc, la cortisolémie mesurée à 8 heures, après absorption de 8 heures avant, 1 mg de dexaméthasone va révéler que le taux est plus élevé le matin. Donc, si on va le donner, on s'attend lorsqu'on donne la dexaméthasone le matin, c'est beau, le taux plus bas. Alors qu'on le dose le matin, on le trouve toujours élevé. Donc, on probe les tests de frénation minute ou rapide, d'ailleurs, on dit qu'il est négatif. Mais attention, le test de frénation peut être perturbé. Winta, par exemple, si le patient il est stressé, parce qu'il y a des facteurs physiologiques, c'est pour ça que j'ai fait le rappel physiologique. Il y a des facteurs physiologiques qui vont varier ce taux de cortisol, même après test de frénation. Donc, si le patient il est stressé, s'il est sous l'imprégnation éthylique, ou là il a pris beaucoup de somnifères, ou là il est anorexique de nature, donc il peut perturber ce test de frénation minute. Bon, on ne peut pas faire, là, ce n'est pas bien explicite. On fait le test de frénation maintenant fort sur 24 heures, ou là, jusqu'à certains qui aura 5 jours, prolongé, pour prouver est-ce qu'il y a ou pas la notion de frénation. D'ailleurs, on va injecter chaque jour 2 mg de dexaméthasone. On l'injecte et on dose. On s'attend à une frénation ou à une réduction du taux de cortisol, mais non. Lorsqu'on fait le test de frénation, on trouve toujours une sécrétion importante. Mais devant tout ça, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de dosages, ce qu'on fait,
en pratique courante, parce que je ne vais pas ce qu'on fait, trois tests simples. Devant un tableau clinique, comme un tableau clinique qui est évident, il est parlant, l'obésité facio-tronculaire, les signes musculaires, cutanés qu'on a parlé tout à l'heure, les signes gonadiques chez la femme ou là chez l'homme, et vous avez un tableau d'hypertension, syndrome dépressif, ou la diabète, voilà, vous avez une forte suspicion, vous faites trois dosages. Trois dosages dans la pratique qui vont sûrement arriver à un diagnostic. On fait d'abord la cortisolérie, si vous avez bien suivi, des 24 heures, on a les plus sensibles, les plus typiques. On peut doser le cortisol salivaire, ou on peut doser le cortisol, la cortisolémie du matin et celle du 16 heures. Et troisièmement, on ferait le test de freination minute avec le rapide. Il y a 8 heures avant, on injecte 1 mg d'hexaméthasone et on va voir s'il n'y a pas de réponse. Généralement comme ça, on peut faire le diagnostic. Mais j'ai dit, les résultats ils sont faussés. On a le cas de dépression, le cas de stress. Bon, j'ai parlé sur ça. Maintenant, vous avez posé le diagnostic du syndrome de Cushing. D'ailleurs, vous recherchez une étiologie. Mais avant, généralement, pour localiser, est-ce qu'il existe une tumeur sur une alien ou hadha qui sécrète ce cortisol d'une manière inappropriée? Ou là, vous avez une tumeur ailleurs, c'est-à-dire au niveau hypophysaire ou la thalamique, qui est à l'origine de cette sécrétion inappropriée. Donc, on fait quand même, on a après dosage sanguin et urinaire de cortisol, on fait l'imagerie, c'est le scanner surrénalien, l'IRM surrénalien, beaucoup plus. Bon, maintenant, le tableau du syndrome de Cushing-Hagda, il se résume. J'ai résumé ce que j'ai dit tout à l'heure dans le syndrome de Cushing, ce que vous avez, l'obésité facio-tronculaire, le syndrome d'hypercatabolisme, l'HTA diabète, etc. Alors, juste pour résumer à vous, pour ne pas se perdre devant les symptômes, beaucoup de symptômes dans le syndrome de Cushing. Les complications du syndrome de Cushing, on a peur lorsqu'on a un patient qui a syndrome de Cushing, qu'ils fassent des infections opportunistes, c'est-à-dire c'est des patients qui sont exposés, qu'ils fassent des infections des fois graves, parce que le terrain il est fragile, il y a le cortisol sécrété d'une manière plus importante, donc il va fragiliser l'immunité entre parenthèses, c'est des patients à risque de COVID-19, par exemple. Ils ont des complications vasculaires, ils ont des complications métaboliques et c'est des patients qui sont exposés aux phlébites parce que c'est des manifestations thrombotiques plus fréquentes. Ils peuvent faire même des embolies pulmonaires. C'est des patients qui font des fractures spontanées et qui peuvent décompenser un tableau psychiatrique. Ils peuvent aller des fois même jusqu'au suicide. C'est plus grave. Regardez, un syndrome de Cushing, le visage, les yeux, comment ils sont. L'érythrose faciale, la rétention d'eau et de minéral, c'est plus fréquent, c'est éthylique. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, vous avez posé le diagnostic, vous avez fait tout, le bilan biologique, radiologique, vous avez recherché les complications, il vous reste maintenant les étiologies. Dans les étiologies, en réalité, il faut les classer. Il faut dire, est-ce qu'il s'agit d'une cause locale, ça veut dire au niveau surrénalien, est-ce qu'il y a une maladie de Cushing, ce qu'on appelle l'hyperplasie bilatérale des surrénales, on ne trouve pas de tumeur. Est-ce qu'il y a une maladie de Cushing et sans atteinte hypophysaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tumeur hypophysaire? Ou bien vous avez de la maladie de Cushing, mais avec tumeur hypophysaire. Ou bien vous avez tout court la tumeur surrénalienne, en trois. Ou bien vous avez une sécrétion, mais cette fois-ci inappropriée, ce qu'on appelle les ACTH-like. Yani vous avez une tumeur, ou cette tumeur, c'est elle qui sécrète de l'ACTH.
Donc, dans l'hypercorticisme ou dans la sécrétion de Cushing, ce que j'ai dit, il y a le tableau Hadassah, je vous ai fait ce tableau-là pour vous résumer généralement les causes de les étiologies de syndrome de Cushing. D'abord, je parle de la maladie de Cushing. Dans la maladie de Cushing, mais sans tumeur, son tumeur hypophysaire, par le fort, 10%. Elle n'est pas fréquente. Donc, vous avez, malgré qu'il y a une sécrétion faible d'ACTH pour freiner la sécrétion par l'hypophyse, l'adénome, et malgré ça, vous avez un taux de cortisol élevé, ce qu'on appelle l'hyperplasie bilatérale des surrénales, la maladie de Cushing, sans tumeur hypophysaire. Donc, c'est une hyperplasie bilatérale des surrénales. Cette hyperplasie bilatérale des surrénales, elle est d'origine hypothalamo-hypophysaire. C'est la plus fréquente des maladies de Cushing. On la trouve là, dans 70% des cas. Le tableau clinique, il est typique, comme tout à l'heure ce qu'on a dit. Généralement, là, il survient chez la femme. Au décours d'une grossesse, ou là juste après avortement, ou là surtout après ménopause, ou là c'est chez un choc émotionnel, ou chez quelqu'un qui a subi un choc émotionnel. Là, dans tous les cas, c'est surtout les signes d'hypercatabolisme protéique qui vont dominer le tableau. Et si on fait le dosage, on peut trouver que le taux d'ACTH, il est soit normal, ils peuvent être normaux, mais ils peuvent être aussi, dans le plus cas le plus fréquent, il est pathologique. Wanaya, qu'est-ce qu'on fait sur le plan biologique? Bien sûr, on va doser le taux de cortisol. On fait les tests de frénation qui sont toujours négatifs. Et on fait même des fois des tests radiologiques. Surtout celle de la selle turcique, on la trouve normale. Et pour objectiver la tumeur, on a fait le premier cas, tumeur, maladie de Cushing sans tumeur hypophysaire. Il s'agit d'une hyperplasie. Et le syndrome qui va objectiver le syndrome, c'est le scanner surrénalien. J'ai reçu aujourd'hui une malade qui a ce tableau typique. Comment? Donc, vous avez. Elle est venue en réalité consulter chez moi pour hypertension artérielle. Et lorsque j'ai demandé, parce que c'est une hypertension artérielle en réalité sévère, j'ai demandé dans le cadre du bilan éthiologique, de demander un scanner surrénalien. Et dans la réponse du scanner, le radiologue, elle me répond, il me parle de surrénal hypertrophique dont la fixation elle est bilatérale et symétrique. C'est typique de syndrome de Cushing par hyperplasie. Le second cause, vous avez les syndromes de Cushing avec tumeur hypophysaire, ce qu'on appelle les adénomes corticotropes. Elle est plus rare, mais vous avez les manifestations les plus fréquentes, on trouve des mélanodermes. Le tableau, il va résumer les quatre étiologies. Donc, soit avec tumeur hypophysaire, ou bien tumeur, mais chez hypophysaire, mais ectopique, ce qu'on appelle les paranéoplasiques. La tumeur qui ressemble à l'hypophyse, si vous voulez, qui va sécréter, il y a l'ACTH, on appelle l'ACTH-like, qui va stimuler la surrénale pour qu'elle sécrète trop de cortisol. Ou bien il n'y a pas de tumeur hypophysaire, mais surtout vous avez l'adénome, c'est-à-dire il n'y a pas de tumeur, une hyperplasie là, où il y a un cancer, ou là, cancer surrénalien, c'est le cas de tous les cancers que vous connaissez qui peuvent manifester d'une manière importante de ce syndrome de Cushing. C'est le cas typique. Vous avez dans les carcinomes, par exemple, corticosurrénaliennes, ou à l'âge précoce, ils surviennent
chez l'enfant, par exemple, ou l'adolescent, qui vont freiner la croissance séborrhée très fréquemment chez ces enfants. Ou bien sûr, ils vont se manifester d'une manière importante par des signes de virilisation chez la fille, ou l'inverse de féminisation chez le garçon, avec ce contraste d'un discret signe d'hypercatabolisme, c'est bon, dans la taille, etc. Ils vont surtout les cancers, ils vont se métastaser rapidement vers le foie, vers le poumon. Pour les cas, tu as les cancers du poumon. Alors, si on parle de l'adénome, le syndrome, le tableau, il est typique, mais il n'y a pas de signe de virilisation. Il y a pour comparer bien adénome ou bien cancer, c'est le syndrome de virilisation. Dans l'adénome, l'évolution, elle est lente, il y a un de mais pour le cancer, vous avez l'évolution, ce que j'ai dit, rapide vers des métastases au niveau hépatique ou là, au niveau pulmonaire. Alors, dans le syndrome, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un adénome, l'évolution, j'ai dit, elle est lente, mais elle est plus fréquente chez la femme, mais elle est plus précoce. Les cancers sont plus fréquents chez l'enfant et l'adolescent, mais les adénomes, généralement, sont fréquents chez la femme. Il y a les dosages, si on fait à regarder un effort, j'ai mis un CTH bas dans tous les cas, parce que ce n'est pas la cause. Ce n'est pas hypophysaire, c'est surtout local. Vous avez le taux d'ACTH, si vous le dosez, il est plus faible. Le taux de cortisol libre urinaire, il est très élevé. Le sanguin, la même chose, il est élevé à 8 heures et le cycle circadien qu'on a parlé, il est rompu. Et on fait tous les tests de frénation, ils sont négatifs. Test à la métoprolol, on fait le test de frénation rapide ou l'effort, c'est toujours négatif. Donc, c'est le résumé, j'ai dit. Donc, le syndrome de Cushing ou l'hypercorticisme, on a quatre étiologies. Donc, soit un cancer, soit un adénome, soit une tumeur hypophysaire, c'est elle qui est à l'origine de ce syndrome de Cushing, ou bien vous avez un cancer, ce qu'on appelle les syndromes paranéoplasiques, ou Hanaya, c'est plus grave dans les syndromes de paranéoplasique, parce que vous avez une autre tumeur qui ressemble à la CTH, qu'on appelle la CTH-like, qui va perturber le métabolisme. Généralement, c'est une tumeur maligne, elle survient à n'importe quel âge. Généralement, c'est les tumeurs les plus fréquentes de l'estomac ou le pulmonaire, surtout peut-être les cancers urinaires. C'est tous les autres cancers les plus graves qui peuvent métastaser d'une manière rapide. On a le tableau, le paranéoplasique, vous avez le plus typique chez l'homme, c'est les troubles psychiques, c'est surtout l'asthénie et la myotrophie. Mais par contre, si on voit l'obésité, les vergetures ou l'ostéoporose, ils sont rares. Il y a le taux d'ACTH très élevé devant un tableau typique. Mais si on dose, pardon, si on voit la clinique, l'obésité, elle n'est pas, elle ressemble pas à Kimmel, elle ne s'installe pas rapidement parce que la tumeur, elle s'est manifestée d'une manière brutale, donc on n'a pas donné le temps pour que ça s'installe avec les vergetures et l'obésité. Mais là, vous avez deux manifestations qui vont vous attirer l'attention. Vous attirez l'attention pour vous orienter, mais il s'agit de syndrome de Cushing paranéoplasique. C'est surtout la mélanodermie qui est généralisée et vous avez les œdèmes des membres inférieurs. Donc retenez le tableau, je l'ai résumé pour vous pour voir ça tourne autour de ces étiologies que vous devez connaître dans le syndrome de Cushing. On arrive enfin à la partie traitement. Pour le traitement, je ne vous cache pas que le traitement il n'est pas aussi facile. Il n'est pas aussi facile. Mais retenir que, comme moyen thérapeutique, vous avez beaucoup de traitements, mais palliatifs. Mais surtout, vous avez le traitement chirurgical et vous avez le traitement médical. Et dans le traitement médical, vous avez le traitement médical qui agit à l'étage hypothalamo-hypophysaire. Et vous avez des traitements qui agissent
à l'étage surrénalien. Pour l'étage, ceux qui agissent à l'étage surrénalien, hypothalamo hypophysaire, vous avez deux médicaments. Généralement, on utilise le parlodel, on appelle parlodel, celui de la bromocryptine. C'est elle qui inhibe la sécrétion de la prolactine au niveau hypophysaire. Ou deuxièmement, on peut donner la périactine. La périactine, c'est la séproheptadine. Elle va stimuler, si vous voulez, l'hypophyse pour qu'il ne sécrète pas beaucoup d'ACTH. Pour la CTH, pour le surrénalien, vous avez l'OPDDD, par exemple, la métopérone, ketoconazole, méthylrapone. Mais c'est des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires. Peut-être ils ont une action anticortisolinique de synthèse. On peut utiliser, parce que vous avez des complications, on a les thromboses, on peut utiliser des anticoagulants, on peut utiliser les antibiothérapies si c'est besoin, dans le cas dans le cas de surinfection, on peut utiliser les antituberculeux, on peut utiliser les antalgiques en cas de douleur. On peut utiliser les anti-inflammatoires. Ça veut dire que vous avez un traitement devant vous, mais c'est un traitement qui est palliatif. Mais surtout, on oublie, il y a un traitement médical, palliatif, qu'on utilise. On peut utiliser les antidiabétiques, on peut utiliser les antihypertenseurs, c'est-à-dire les complications du syndrome de Cushing. On peut utiliser aussi les traitements en parallèle, comme par exemple vitamine D, on peut utiliser le calcium pour prévenir le traitement de l'ostéoporose, vitamine D pour les carences vitaminiques, pour prévenir l'ostéoporose, les biphosphonates, c'est-à-dire tous les autres, on peut utiliser les traitements hormonaux, si vous avez un déficit hormonal typique, on a parlé des symptômes psychiatrique, on peut utiliser les anxiolytiques, on peut utiliser les antidépresseurs. Vous avez aussi les traitements chirurgicaux. Dans le traitement chirurgical, vous avez, on peut utiliser l'hypophysectomie par voie, ça se fait même chez nous à Blida, par exemple, l'hypophysectomie par voie sous-xyphoïdienne nasale, donc le par voie nasale, et on va enlever la tumeur, mais on peut utiliser aussi la surrénalectomie. On est toujours dans le syndrome de Cushing. Donc la surrénalectomie, ça peut être unilatérale, comme elle peut être bilatérale, mais toujours, elle doit être supplémentée par un traitement beaucoup plus spécifique, parce que lorsqu'il s'agit d'enlever la surrénale. Donc, je crois qu'on a fait, on peut utiliser la radiothérapie, on peut utiliser la chimiothérapie lorsqu'il s'agit de tumeurs, par exemple les paraneoplasies, les ACTH, like, etc. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette question d'une manière un peu globale. Tout ce que je peux résumer à la fin, que le syndrome de Cushing n'est pas aussi fréquent. Vous ne croyez pas les cours les rues, c'est vraiment... la fréquence, elle est faible, mais devant un tableau qui comporte cette obésité facio-trochanculaire, des manifestations cutanées comme vergeture ou là devant une HTA instable, diabète anormalement déséquilibre malgré vous utilisez de l'insuline ou là, vous suspectez devant un tableau de psychiatrie par exemple, vous suspectez le syndrome de Cushing et vous y allez vers le dosage le plus simple, cortisol urinaire, cortisol sanguin. Et en même temps, il ne faut pas se pencher directement vers le tableau du syndrome de Cushing, hatta vous utilisez les tests de freination, soit rapides, soit prolongés. Ensuite, vous recherchez la cause. S'agit-il d'une cause locale? Et cette cause locale, est-ce qu'il s'agit d'un adénome ou bien d'un cancer? Ou bien il s'agit d'une cause tumeur hypophysaire qui est à l'origine du syndrome de Cushing? Ou bien
une cause paraneoplasique qui est secrète de la CTH-like et qui est à l'origine de ce syndrome de Cushing. Bon, le traitement, il n'est pas aussi miraculeux, c'est surtout on traite les complications beaucoup plus que de traiter la tumeur de Cushing. Je pense que j'ai terminé cette question. Je vous laisse le choix pour poser des questions par écrit si vous voulez. Là, je réponds par mail quand vous voulez, je ne sais pas, délégué au Strolenadruk. Je vous remercie pour votre attention. Oui. J'ai une question à propos de la paranéoplasie. Est-ce qu'on peut avoir un processus paranéoplasique sécrétant un cortisol-like? Oui, bien sûr, vous pouvez avoir une tumeur qui peut sécréter du cortisol-like. Vous pouvez tout devant un syndrome, mais pas dans le syndrome de Cushing. Dans le syndrome de Cushing, parce que le cortisol, il est sécrété par la surrénale. Mais parce que pour sécréter le cortisol, il faut de l'ACTH. Je ne sais pas si vous avez compris ou là là là. On ne peut pas trouver une tumeur, par exemple, au niveau du poumon qui sécrète du cortisol. On trouve une tumeur au niveau du poumon qui sécrète de l'ACTH. C'est parce que l'origine de la sécrétion du cortisol, c'est surrénalienne et non pas un autre endroit. C'est clair? Allez-y. D'accord. Merci, docteur. Sinon, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous les envoyez par mail et moi, je réponds. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Professeur, il y a une question dans les messages, en fait. Oui, non, il y a des questions. Je ne vois pas. On a une question. Une plus. Et vous êtes sur téléphone. Oui, non, il y a la question. D'accord, je vais la lire pour vous, docteur. Pour le syndrome de Cushing à cause des corticoïdes, qu'est-ce qu'on fait? Ah, voilà, je vois une question maintenant. Une question de MS, je ne sais pas. Pour le syndrome de Cushing à cause des corticoïdes, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Pour les syndromes de Cushing à cause de corticoïdes, maintenant, lorsqu'il s'agit d'un traitement obligatoire, je ne sais pas, une maladie de système, par exemple, un lupus, n'importe quelle maladie de système, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence la digression du traitement corticoïde. On ne peut pas arrêter d'emblée. Sachez qu'on traite la cause, et ensuite, une fois la cause est traitée, et on va bien sûr réduire le taux de corticoïdes, maintenant, le syndrome de Cushing, il va disparaître. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur du syndrome de Cushing secondaire à la corticothérapie, parce que la corticothérapie, elle n'est pas à vie, mais même si elle est à vie, elle réagit à des fortes doses. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit la dose progressivement, bien sûr en respectant les règles hygiénodiététiques, pas de régime sans sel, régime aussi sans sucre. Allez, pour la question corticoïde, combien la durée du traitement pour chaque type? Combien de durée? Bon, il n'y a pas comment la durée du traitement. Lorsqu'il s'agit d'une tumeur surrénalienne, on va enlever la tumeur. Le traitement, il est chirurgical. Maintenant, si on ne peut pas traiter chirurgicalement, lorsqu'il s'agit d'une hyperplasie, le traitement, il est à vie. Ça veut dire, c'est une maladie qui est là, qu'on ne peut pas la traiter. Maintenant, sauf si vous avez une tumeur, la tumeur, il faut enlever. Je vais voir si vous avez d'autres questions. Oui, 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 s'il vous plaît, professeur, vous pouvez rapprocher le micro à dire cela, c'est un. Oui, 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 donc là, cardiovasculaire. Il n'y a pas de questions. Pas de questions. Délégué, je ne vois pas de questions. Normalement, ma cache. Aïe, merci. Je vous souhaite bon courage. T'as l'air comme à la situation COVID. Professeur, oui. S'il vous plaît, excusez-moi. Oui. Maintenant, le support du cours. Je vous envoie le support du t'as le cours. Vous avez enregistré la communication? Oui, oui. Vous me l'envoyez après. Je vous envoie le lien du Drive.
D'accord, merci, merci, merci. Merci à vous, professeur. Allez, bon courage. Si vous merci. Avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais allez, je vous m'envoie même par mail. Vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer des questions. D'accord? D'accord, Inch'Allah. Merci. Pas hésiter. Merci, bah, bon courage. Au revoir. Au revoir.